Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une astuce DIY qui va vous permettre de réutiliser vos anciennes pinces qui sont devenues soit moches, soit qui ont perdu leur couleur comme celle-ci, soit qui ont perdu leur petit objet qui était là. Donc ça va être une astuce très simple et ça va permettre de redonner vie à vos pinces, à les moderniser et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer tout de suite le matériel et ensuite on pourra passer à la réalisation. Vous allez prendre le vernis que vous avez sélectionné. Donc je tiens à préciser que c'est une technique que j'ai inventée. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par une première couche. Il faudra quand même une deuxième couche pour que la couleur ressorte bien. Donc, je vais faire maintenant derrière. La première couche est faite de chaque côté. On se retrouve pour la deuxième, puis on passera au motif. Ça y est, c'est reparti, on y va avec la deuxième couche. Et on va passer à la dernière couche. Enfin, on va passer à la deuxième couche, mais derrière, je veux dire. N'hésite pas à faire les bords sur lesquels on a mis nos doigts. Voilà, donc maintenant que les deux couches sont finies, on va maintenant passer à quelques motifs que l'on peut rajouter sur la barrette pour la rendre encore plus funny. Pour les motifs, je vais prendre un orange, après c'est chacun fait comme il veut. Donc par exemple, on peut faire des pois. Mais aussi des petites lignes, etc, etc. Après, c'est à vous de varier les plaisirs. Bien sûr, après, vous laisserez bien sécher tout cela et vous pourrez même rajouter, si vous le désirez, une couche de vernis transparent que j'appelle protecteur afin de maintenir le vernis bien sur la barrette. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et enfin à partager cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir mis une vidéo avant.